Bonjour les signes de Scorpion, les tirages de mois de février. Alors les Scorpions, pour moi cette carte, je vois quelqu'un qui est beaucoup la patience, beaucoup la sagesse, beaucoup l'intuition et aussi énergétique, un changement chez vous, énergétique, physique aussi. Vous êtes les Scorpions, beaucoup l'attirance, peut-être physique aussi. Et vous êtes quelqu'un beaucoup la patiente. Et si vous êtes quelqu'un beaucoup l'énergie de diable, ça sortait bizarre. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de savoir, beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, soit professionnel ou soit vous êtes quelqu'un beaucoup l'attirance. À une relation beaucoup la patiente avec quelqu'un énergétique ou à une relation chaleureuse. Un changement vraiment énergétique où ça sortait les diables. Les diables, pour moi, vous libérez un attachement physique ou psychique ou soit une relation. Que vous sentez beaucoup l'attirance ou beaucoup le magnétisme, ou soit côté professionnel, il y a une réussite et côté matériel. Dans la relation, pour moi, c'est plus quelqu'un qu'elle doit libérer un attachement à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique, qu'elle est facile de tirer les personnes vers vous, les scorpions, et soit vous êtes avec quelqu'un qu'elle aime le pouvoir, l'argent, les matériels, c'est important pour vous. Ou soit si vous êtes problème de santé ou le problème de l'argent, ça peut côté négatif, c'est le problème de santé ou le problème de l'argent pour moi. Les diables, c'est le côté négatif. Côté positif, c'est une réussite, côté matériel. Et quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup l'attirance pour moi physiquement. Alors là, je tire une carte, les cartes pour voir général pour les scorpions. Pour moi, les scorpions, général, le courage, c'est beaucoup le courage, l'essence pour moi, les scorpions. Vous êtes beaucoup les protections, les signes de scorpion. Vous êtes protégé énergétique. Il y a un changement énergétique chez vous. Si vous êtes difficulté, les scorpions, il y a un changement, il y a un équilibre. L'équilibre chez vous, c'est une nouvelle essence énergétique. Et la santé, pour moi, il y a une nouvelle. Vous sortir d'une situation, peut-être les diables, comme j'ai dit, les côtés négatifs, c'est problème de santé. Vous sortez un problème de santé, vous êtes protégé. Vous êtes beaucoup le courage, beaucoup les forces. Vous êtes quelqu'un lutte qui vous sortir d'une situation et vous êtes protégé grâce à Dieu, grâce à univers, vous êtes quelqu'un beaucoup la foi aussi, quelqu'un beaucoup la sagesse, la clairvoyance, quelqu'un qui a beaucoup le courage. Et c'est quelqu'un qui prépare un nouvel projet ou une nouvelle énergie que vous sentez, les choses que vous êtes doit faire par les patientes, beaucoup les patients. Et les morales pour vous, retourner les morales si vous êtes prisonnier pour une situation moralement que vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé et vous sortez ce problème de dépression et commencez l'équilibre. Il y a une progression côté moralement. Vous retournez la force, l'énergie, il y a une nouvelle essence pour vous, énergétique ou la santé pour moi. Les scorpions, si vous êtes difficulté dans le passé, vous trouvez une nouvelle énergie, une nouvelle santé. Et vous libérez un blocage peut-être professionnel ou un blocage énergétique au côté visuel. C'est peut-être quelqu'un
qu'elle doit voir les choses avec une nouvelle angle. Ou soit si vous êtes quelqu'un beaucoup spirituel, besoin sortir un blocage peut-être spirituel ou psychique ou physique. Si ça dépend de votre situation, le diable pour moi, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite, côté négatif, vous sortez un attachement à une personne, ou attachement à une situation, ou un attachement à un problème de santé. Pour moi, une nouvelle essence pour vous, une nouvelle énergie, l'équilibre, le féminin, le masculin pour vous, moralement. C'est les jours qui sont peut-être féminins, masculins. C'était le moral très bas, mais il y a un équilibre pour sortir. Il y a une nouvelle essence pour vous, énergétique, la santé. Voilà, je passe. Je vais voir général pour le petit l'état d'esprit pour le mois de février. Les scorpions, mois de février, l'état d'esprit. Et côté matériel, l'argent, les scorpions, côté l'argent, matériel. Et côté professionnel, les scorpions. Côté professionnel, et côté sentimental, la sentimental, et côté énergétique, la santé. Et le social, l'extérieur, le contact extérieur, les proches. Alors, on commence à être l'état d'esprit. Vous voyez, le moral, je vois quelqu'un qui était moralement pas bien. Quelqu'un qui pense à un changement, les directions, un changement dans votre vie générale. Vous prenez une nouvelle direction. Il y a une chance pour vous, une nouvelle peut-être. Un nouvel travail ou une nouvelle direction, vous prenez une bonne décision parce que vous avez besoin de prendre les décisions. Dans le passé, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, triste. Et le moral, ce n'était pas trop top pour moi. Vous sortez ça. Vous sortez ça, c'est le passé, peut-être mois de janvier, que vous sentez ça. Côté matériel, vous tendez un entre de l'argent à une. Soit une banque, soit un salaire que vous tendez, et soit une l'assurance. Il y a les choix à faire. Peut-être si vous tendez un choix à faire, peut-être l'assurance ou la banque, vous êtes demandé un crédit, vous demandez une aide, peut-être il y a un choix à faire. Pour les réponses, vous recevez une réponse, soit une lettre, soit un document que doit attendre pour votre. Côté matériel, soit quelque chose qui vous est demandé et vous tendez les réponses. Côté professionnel, vous tombez le masque, il y a quelque chose qui est caché pour voir. Pour moi, c'est sorti cette carte, c'est le 4. Pour moi, c'est avril, vous tombez le masque, les gens qui sont sentis tristes. La lune et le soleil, pour moi, ça va clairer une situation psychiquement. Professionnel ou un projet. Si vous travaillez dans votre compte, vous avez besoin de tomber les masques pour sortir d'une situation des masculins. Les masculins qui sont dans une entreprise, qui sont dans les choses qui pas claires, qui sont déprimés, qui doivent sortir de cette dépression à cause des professionnels qui sont les choses cachées ou les choses qui pas claires pour votre projet ou votre entreprise. Et côté sentimental, besoin de dialogue, honnêtement, dialoguer avec votre partenaire ou soit avec quelqu'un peut-être loin de vous ou soit vous êtes célibataire, besoin d'un changement dans la relation, un changement d'éménagement peut-être avec quelqu'un ou soit vous dialoguez pour un engagement avec quelqu'un, d'éménager, changer quelque chose avec cette personne. Il y a une personne qui est sincère avec vous, soit dans le couple que vous pensez à un dialogue, à un changement dans le foyer, peut-être pour les enfants, pour quelque chose, peut-être vous voulez déménager, vous voulez faire quelque chose avec votre partenaire qui doit communiquer honnêtement. Écoutez la santé. Il y a la fin, un problème. Vous tendez dans le passé, vous tendez une libération.
quelque chose, il y a la fin, un problème de santé, et les gens qui sont dans des libérations, l'équilibre côté de la santé pour moi, et pour sortir d'une situation. La fin, quelque chose, le 8, c'est l'équilibre, la justice et univers, il y a la justice, vous sortez d'une situation que le blocage pour la santé ou soi. Avec un ami qui était problème de santé, vous tendez à une personne qui guérir, peut-être une personne dans votre entourage ou un ami fidèle ou soit votre partenaire qui était problème de santé, qu'il a besoin de guérir. Bientôt, ça, c'est la fin, un problème de santé dans le couple, si vous êtes avec quelqu'un qui a problème de santé. L'extérieur, beaucoup de temps vous êtes coupé avec les mondes, l'extérieur, les gens qui sont restés enfermés. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien psychiquement à cause du temps qu'ils sont restés beaucoup à la maison. Et à la fin, quelque chose, une rupture, vous êtes vraiment en rupture avec l'extérieur, les gens qui sont restés beaucoup à la maison, qui sont vraiment éloignés des autres. Que ce soit un travail qui vous est éloigné, un projet qui est éloigné, que vous n'êtes pas travaillé maintenant, vous êtes en rupture radicale pour vous. C'était difficile l'extérieur pour vos relations, contact avec les autres. Alors, le message pour les célibataires, le conseil pour les célibataires, sortez d'une situation, les solitudes, vous tournez à roue, vous prenez des décisions, arrêtez de contrôler votre vie, besoin de rencontrer quelqu'un, vous ne restez pas seul à la maison, vous avez besoin de sortir pour rencontrer quelqu'un. Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont seuls ou sont enfermés eux-mêmes et qui sont peur de rencontrer quelqu'un ou sont peur de sortir et rencontrer quelqu'un. De toute façon, maintenant, beaucoup de monde qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un nouveau. Parce qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas sortir pour rencontrer quelqu'un. C'est tout fermé, ils ne peuvent pas rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Ils doivent sortir, ils ne doivent pas rester enfermés vous-même. Besoin de libérer les blocages chez vous. Si vous êtes bloqué, les gens qui sont séparés, il y a un engagement pour moi, cette personne, qui demande peut-être un engagement avec vous, nouvel engagement. Peut-être si vous êtes séparé avec quelqu'un qu'ils veulent engager avec vous parce qu'ils sont toujours l'amour pour vous. La relation de couple, vous donnez une chance dans votre relation de couple. Il y a un changement, il y a une nouvelle. Vous sentez un nouvel amour romantique avec votre partenaire. Pour ça, ça sortit les dialogues. Pour moi, il y a une communication claire avec votre partenaire. Il y a un changement dans votre foyer, quelque chose qui change dans votre relation, une nouvelle essence dans votre famille. Il y a quelque chose qui va changer. Et il y a quelque chose qui révèle votre sentiment pour votre partenaire. Voilà les couples. Ce n'est pas obligé pour moi, ce n'est pas nouvel amour. Pour moi, c'est quelque chose qui change dans l'amour, dans le couple. Il y a quelque chose, un changement positif. Alors, les décisions. Les deux épées, pour moi, libération, besoin de libération, les décisions. Côté relationnel, peut-être les communications, les dialogues plus clairs avec votre partenaire, un dialogue pour les gens qui sont séparés, engagement. Les gens qui sont seuls, qui ont besoin de prendre les décisions, libérer les pensées négatives, libérer les blocages chez vous pour rencontrer quelqu'un nouveau. D'un côté professionnel, vous êtes quelqu'un actuellement, il y a une victoire pour vous. Peut-être à bientôt, vous êtes beaucoup de connaissances, vous êtes quelqu'un sage et votre projet, ça va démarrer malgré vous trouver dans des difficultés. Et ça va démarrer votre projet. Et les gens qui tendent à entre de l'argent, à une connaissance, à une peut-être professionnelle pour faire une formation ou soit faire quelque chose, un nouvel contrat,
soit les gens ils veulent faire l'étude, ou les gens qui sont bloqués pour l'étude, soit les gens qui ils veulent une nouvelle formation professionnelle. Pour moi, il y a les choses qui les cachent. Pour moi, patiente, avec le temps, ça va démarrer votre formation, ou soit les gens qui sont à la maison, qui font l'étude, ils sont bloqués, les choses cachées, qui, pour moi, ça va démarrer votre projet. Les masques, pour moi, c'est le papa, c'est quelque chose encore caché, on ne voit pas. Quelqu'un qui garde encore les distances, ou quelqu'un encore travaille distante, ou soit quelqu'un encore un secret qui n'est pas encore voilé. Les livres, c'est les livres, pour moi, c'est la connaissance. Vous êtes connaissance, un nouvel départ pour vous, soit professionnel, ou soit un stage, soit une formation, ou les gens qui font l'étude. Des stands où il fait l'étude avec les internet, les gens qui sont éloignés de son travail, qui travaillent peut-être pour donner les cours pour les enfants, et peut-être les enfants qui sont adultes, qui sont enfermés eux-mêmes à la maison pour faire l'étude. Pour moi, les gens qui attendent l'examen ou attendent une formation, les choses encore cachées. On ne sait pas si c'est déjà qu'il commence à sortir ou pas. C'est encore ce blocage dans le monde pour l'étude, pour les gens qui sont adultes. Les gens, peut-être mois de février, c'est encore les choses cachées, pas tout de suite. Les gens qui veulent faire les formations ou faire les projets bouger, peut-être mois de février, encore les choses cachées et les gens qui restent encore distants. Parce qu'il y a une rupture de l'extérieur. Les ruptures, beaucoup de temps, vous êtes rupture avec un travail, ou les gens qui font l'étude, ou les gens qui sont à un magasin, ou à un commerce, qui sont vraiment dans la difficulté, beaucoup les tensions, beaucoup les gens fâchés, colère contre cette situation. Les scorpions, finis votre tirage pour le mois de février. Merci beaucoup, votre soutien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.